Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous célébrons ton nom. Nous bénissons ta majesté. Tu es celui qui est au-dessus de toutes choses. Tu as fondé le monde par ta volonté. Et ton esprit existait avant que le monde ne soit. Alors, Père, nous sommes là pour te célébrer, pour te magnifier. Nous sommes là pour entendre ta voix. Nous sommes là pour que tu puisses nous parler. Parce que c'est toi qui nous as fait et nous sommes à toi. Alors nous voulons, Seigneur, nous préparer à ce temps. Nous voulons te dire que nous sommes en train de nous rassembler pour t'écouter, parce que tu es notre Père et nous t'appartenons. Notre Dieu, à toi la louange, l'honneur, la puissance et la richesse. À toi la gloire, parce que toi seul es digne d'être élevé, d'être magnifié. Toi seul es digne d'être exalté. Shalom à tous les adorateurs. Nous sommes en marche, nous sommes en marche vers quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux. Nous voulons aujourd'hui encore bénir le Seigneur. Nous voulons lui dire merci parce que le Seigneur nous conduit dans une réalité spirituelle pour nous les adorateurs. Et il est bon pour nous. J'ai dit que j'allais vous laisser pour que vous-même vous puissiez partager. Parce que je me dis que à un moment donné, on doit voir un peu comment les adorateurs réagissent. Soyez tous bénis. Pendant que nous sommes en train de nous préparer, pendant que nous sommes là, nous voulons encore invoquer le Saint-Esprit. Alors nous invitons chaque adorateur à se connecter. Nous invitons, j'invite tous les adorateurs à partager. Parce que moi-même, je suis en train de le faire. C'est notre manière à nous de relever une âme, de sauver une âme, de permettre à une âme de se retrouver. Parce que tout le monde n'a pas forcément la même force, la même grâce. Et tous, nous ne pouvons pas nous relever en même temps parce que nous n'avons pas la même grâce. Mais Dieu a un très beau message pour nous. Et je suis heureuse de voir que vous êtes connectés, que vous êtes en train de partager. Invoquons le Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit. Conteribo Shakaya Baba Baba.
Comment cela est digne d'être élevé. Toi seul est digne, Saint-Esprit, d'être élevé. Toi seul est digne, Saint-Esprit, d'être glorifié. Invoquez tous le Saint-Esprit avec moi. Parce que nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne pour que nos cœurs soient inondés. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne pour que nos cœurs soient illuminés. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne pour comprendre en tant qu'adorateur pourquoi est-ce que le Seigneur nous donne un si beau thème. Nous avons besoin en tant qu'adorateur, avec la présence du Saint-Esprit, nous avons besoin de lui pour comprendre certaines réalités et savoir ce que Dieu attend de nous. Alors, j'aimerais vraiment qu'on invoque le Saint-Esprit. Nous t'invitons à prendre la place. Souffle de Dieu. Nous t'invitons, dispose ce lieu, ce moment. Nous avons tellement besoin de toi. Puissance de Dieu, nous avons besoin que tu inondes nos vies. Sagesse de Dieu, nous avons besoin que tu sois présente. Oh, nous avons aussi besoin de toi, Saint-Esprit. Toi qui planais sur les eaux, alors que la terre était informe, vide, tout s'est fait parce que tu étais là sur les eaux. Oh, roi, regarde les adorateurs, regarde ce peuple qui se rassemble pour entendre la parole et pouvoir adorer celui qui est sur le trône. Merci pour les cœurs que tu fortifies. Merci pour les âmes que tu guéris. Merci pour les vies que tu relèves. Oh, tu es la puissance, Dieu. Qu'un adorateur élève le Saint-Esprit. Élève le Saint-Esprit. Élève-le. Dis, Saint-Esprit, je t'élève en ce jour. Viens me disposer que ce moment ne soit pas un moment de distraction pour moi, mais que ce soit un moment de révélation pour moi. Nous sommes là. Tu planais sur les eaux au commencement, alors que la terre était informe et vide. Tu es la puissance de Dieu. Tu es la sagesse de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Tu es le feu de Dieu. Je t'en supplie, envahis nos maisons. Envahis les lieux où se trouvent les adorateurs. Ne laisse personne en dehors de ce temps. Que ceux qui sont découragés, que les cœurs soient enflammés, brûlant d'amour pour toi. Oh, toi. Nous sommes là. Amen. Nous sommes là et nous avons besoin du Saint-Esprit. J'aimerais que ma fille nous lise ce passage, le passage qui nous conduit dans ce temps. Mais j'aimerais que tu prennes le premier chapitre de Josué, que tu lises le verset 1 jusqu'au verset 9. Parce qu'aujourd'hui, notre thème, c'est « Sois fort ». Pendant qu'elle se prépare, je fais un résumé
à notre pause. Parce que je voulais savoir si les adorateurs avaient saisi ce que le Saint-Esprit avait communiqué hier au travers de ma pauvre personne. Si on avait tous compris, alors on a fait le résumé. Et nous avons compris qu'en réalité, il est important pour chacun d'entre nous de se tourner vers le Seigneur. Nous nous tournons vers lui parce que nous, notre réalité, moi, ma réalité, c'est le chant. Mais le chant qui est soutenu par la parole. Parce que je veux servir Dieu dans toute sa réalité, dans toute sa dimension. Et je sais que c'est par la parole que l'être humain, que le chrétien est fortifié. Voyez, hier, notre thème, c'était juste l'introduction. Et hier, j'ai vécu quelque chose qui, moi-même, m'a dépassé. J'ai médité dessus. Et je bénis Dieu parce que ces expériences-là me permettent à moi-même de découvrir combien de fois Dieu est fort, combien de fois Dieu est puissant, combien de fois Dieu agit dans notre vie. J'ai l'habitude de vous parler, j'ai l'habitude d'être en direct, j'ai l'habitude même de faire des directs surprises, j'ai l'habitude de parler. Et voilà que quand j'ai reçu ce thème, j'étais toute tremblante, j'avais peur. Hier, j'étais effrayée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire, Seigneur? Qu'est-ce que je vais leur dire que je n'ai pas encore dit? Au risque de me répéter, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? J'étais effrayée. Et puis j'ai repris la parole, j'ai relu, j'ai compris une chose. C'est que c'est quand nous sommes faibles que Dieu devient fort. Amen. C'est quand nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas que Dieu lui agit. C'est quand nous nous rendons compte que nous sommes limités que Dieu nous permet d'aller au-delà de nos limites. Je l'ai dit dans mes témoignages que à force de marcher, à force d'être avec, de désirer être dans la, avec les gens qui étaient dans la rue et tout ça, ça changeait mon langage. J'aurais aimé peut-être parler comme Molière, comme le bébé de Molière ou bien la petite fille de Molière. Mais je me suis rendu compte que je n'y arrive pas. J'essaye de parler, je sais que toute la manière dont je parle, vous comprenez et ça vous bénit, d'accord. Mais Dieu va utiliser cette fragilité pour faire son œuvre. À toi, adorateur qui est connecté, Dieu te dit aujourd'hui, sois fort. Alors j'aimerais que tu prennes le temps, que tu m'écoutes. Parce que nous voulons adorer Dieu, c'est vrai, c'est une très bonne chose. Mais que notre adoration nous transforme, qu'elle ne vienne pas réjouir notre cœur. Hier, nous nous sommes rendus compte que vraiment, 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 les situations nous éloignent souvent du Seigneur. Alors nous allons prendre ce cantique, ce que le Père recherche. Le Père en train de chercher des adorateurs. Voyez, quand on dit le Père cherche, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Quand on est en train de chercher au milieu d'un peuple, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, le Père a cherché, il t'a trouvé toi. Malgré tes défauts, malgré tes faiblesses, il a regardé ton cœur. Alors j'aimerais que tu écoutes ce cantique et que tu le chantes avec moi. Avant qu'on ne puisse développer notre thème et chanter, je vous ai dit, j'ai recensé tous vos cantiques et j'avance avec vos cantiques. Je fais des efforts pour vous faire plaisir. Dans le nom du Seigneur. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs.
Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs. Ce que le Père regarde, c'est le fond de mon cœur. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs. Ce que le Père regarde, écoute-moi, c'est le fond de ton cœur. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que tu peux chanter avec moi ce que le Père recherche? Ce que ce sont les adorateurs. Oui, ce que le Père recherche. Ce que le Père recherche. Ce sont les adorateurs. Ce sont les adorateurs. Oui, ce que le Père recherche. C'est le fond de mon cœur. Ce que son esprit viendra sonder en ce jour, écoute-moi, c'est ton cœur éternel. Il sondera les profondeurs de ton âme. Hey. Il sondera les profondeurs de ton âme. Ce que le Père a sondé en moi, c'était mon désir de lui plaire. Ce que le Père a vu en moi, c'était mon désir de lui appartenir. Oh, oh, oh. C'est le fond de mon cœur que mon Dieu veut sonder. Ce ne sont pas les apparences, parce que les apparences sont trompeuses, mais le Père juge le cœur. Est-ce que mon fils peut passer un peu? Ce ne sont pas les apparences que Dieu regarde, mais il regarde le fond de mon cœur. Un cœur qu'il adore en esprit et en vérité. Un cœur qu'il adore. Seigneur, que mon cœur t'adore en esprit et en vérité. Et en vérité. Alors, pendant que la musique joue en sourdine,
Ma fille va lire la parole de Dieu qui nous rassemble. Nous sommes des adorateurs et en principe quand nous entendons la parole de Dieu, quelque chose doit tressaillir en nous. Nous devons être émerveillés d'entendre la parole de Dieu. Parce que c'est cet émerveillement qui va nous pousser à nous jeter devant le trône pour lui dire « Oh, comme tu es grand, comme tu es puissant, tu n'as pas ton pareil. » Parce que tout ce que tu as dit, c'est fait. Ciel et terre ont été créés par toi. Et tout s'est accompli comme tu l'as dit. Et rien de ce que tu as dit n'a été rejeté. Personne ne peut rejeter. Alors au son de la musique, je t'en supplie, écoute la parole. Et pendant que tu écoutes la parole, tu sais qu'il y a une adoratrice, une de tes soeurs, un de tes frères, qui est découragée. Partage. C'est vrai que sur YouTube, on ne peut pas partager. Mais toi, sur Facebook, partage. On ne va pas passer la bande. Je ne veux pas que la bande passe aujourd'hui. Mais je voudrais que ce soit un élan. C'est-à-dire comme une évangélisation que tu fais. Quand je suis émerveillée par quelque chose, mon désir, c'est que mon frère aussi soit touché. Voyez, dans mes, avant qu'on ne lise la parole, avant, quand je m'apprêtais, dans mes débuts, ma fille, quand je faisais les directs, je m'ai dit aux adorateurs, mettez des cœurs. Je me souviens quand j'étais au Canada, quand j'ai fait un direct où je leur ai dit, mettez des cœurs. Mais en réalité, moi, les cœurs, ce n'était pas pour qu'ils disent qu'ils aiment mon direct. Mais quand ils mettaient les cœurs, je me suis mise à pleurer. Si vous partez chercher mes directs de 2016, parce que je voyais un monde qui aimait Jésus. Je me rendais compte qu'on était nombreux à aimer Jésus. Et je me suis mise à pleurer. Alors j'ai compris que ce que Dieu faisait au travers de moi ne venait pas de moi-même. C'est pourquoi j'aime écouter le Seigneur. Alors écoute la parole. Moïse, le serviteur du Seigneur, était mort. Le Seigneur dit alors à Josué, fils de Noun et auxiliaire de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser la rivière du Jourdain avec tout le peuple pour pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez le pied. Ma fille, attends. Et vous voyez, le Seigneur dit... Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne, je vous accorde la propriété de tout endroit. Je vous accorde la propriété de tout endroit. Il dit comme je l'ai promis. Alors je veux dire un adorateur, assieds-toi Pierre. Parce que je crois que tu as eu le temps de revenir au Seigneur. Dieu a dû te promettre quelque chose. Comme un bon père. Qui sait prendre soin de ses enfants. Écoute, comme je l'ai promis à Moïse. Ma fille continue. Du sud au nord, votre territoire s'étendra du désert aux montagnes du Liban. D'est en ouest, il ira de l'Euphrate, le grand fleuve à la mer Méditerranée, en incluant le pays des Hittites. Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Amen. Car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Il dit, durant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Nous allons, pendant tout notre cheminement, découvrir ce que Dieu veut nous dire par rapport à cela. Durant toute ta vie. Vraiment, ce verset me bénit. Je sens qu'on va cheminer un jour avec ça. Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te laisserai sans secours. Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres.
Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais, et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui y est écrit. Oh. Alors, tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Amen. Oh. La parole de Dieu, elle est belle. Elle fait du bien à notre âme. Oh, remachaka, papa, 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 papa. Il va dire à Josué, sois fort. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, sois fort et tiens bon. Sois sans crainte ni frayeur, car Yahvé ton Dieu est avec toi dans toutes tes démarches. Je veux dire à un adorateur qui est connecté déjà, sois fort. Voyez, pour nous les adorateurs, quand on lit ce verset, comment définir être fort dans notre entendement humain? Est-ce que Dieu veut parler de quelqu'un qui est musclé, qui s'est entraîné au sport, qui a des muscles? Il ne s'agit pas de cela pour nous, les adorateurs. Est-ce que Dieu veut parler de quelqu'un qui a des moyens financiers, qui est si puissant au point d'écraser les autres? Non, Dieu ne parle pas de cela pour nous, les adorateurs. Il parle de quelle force pour nous? C'est-à-dire, Dieu veut nous emmener nous-mêmes à être mentalement et moralement forts. Il s'agit de notre mental, il s'agit de notre moral. C'est-à-dire, notre manière de voir les circonstances et les événements qui se présentent devant nous. Les événements et les circonstances de nos vies. Voyez, quand Dieu s'est adressé à Josué, je l'ai dit, il ne s'est pas adressé à quelqu'un qui ne le connaissait pas. Josué le connaissait. Josué était dans la présence de Dieu, pour ceux qui lisent la Bible. Josué était dans l'attente de la rencontre à tout moment. Même quand Moïse sortait de l'attente de la rencontre, Josué était là-bas. Il faut lire la Bible. Donc Josué savait ce que Dieu faisait. Ce qu'il disait à Moïse. Josué, peut-être que Moïse l'entendait en esprit, mais Josué a vu quand même les exploits de Dieu. Comme toi, tu as vu les exploits de Dieu. Sois fort. Et il veut parler de notre mental, nous les adorateurs. Parce que, voyez, quand nous sommes avec Dieu, souvent, des personnes me posent la question de savoir, mais comment tu fais? Quand nous sommes avec Dieu, nous devons avoir deux regards. Il y a le regard physique naturel que nous avons avec tout le monde. Là, je vois la caméra en face de moi. Et puis, il y a le regard surnaturel. Tu dois toujours avoir un second regard. Et le second regard va plus loin que le premier regard. Josué, écoute-moi, Josué avait vu Dieu agir. Mais maintenant, c'était Moïse qui conduisait le peuple. Je veux parler d'un adorateur, par exemple, qui n'a jamais dirigé une équipe. Et puis, celui qui dirigeait votre équipe, tu étais le second.
Et puis on dit, ah, il a rendu sa démission parce qu'il a eu mieux ailleurs. On te met, on t'appelle, on te dit, à partir de maintenant, c'est toi qui vas diriger l'équipe. Et puis tu entends le Seigneur te dire, sois fort. Alors que celui qui était le premier avec toi, c'était quelqu'un qui priait beaucoup. Et tu as vu comment sa prière a agi dans sa vie quotidienne. Alors, à ton tour, on te nomme, on te dit, bon, Christian ou Christelle, je vais nommer un prénom. C'est-à-dire, quand je nomme, en même temps, tu reçois la grâce. Non, c'est juste pour... On va dire à Solange Sankara qui nous suit, c'est toi qui vas prendre la place. Et puis Solange entre dans la présence de Dieu. Où vous tous qui me regardez, vous entrez dans la présence de Dieu. Et Dieu vous dit, sois fort, sois courageux. Mais en même temps, il te dit, que ce livre ne te les quitte pas. Tu entends, sois fort, tu dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Moi, je n'ai pas fait les études pour ça. Comment je vais faire? Il te dit, sois fort. Maintenant, toi, en tant qu'humain, tu as un premier regard. Je veux parler même d'une adoratrice qui est peut-être dans les difficultés en ce moment. Voyez, le premier regard, c'est le regard naturel. Je vois l'équipe. Je vois que parmi, dans cette équipe, il y a des gens qui ont des diplômes plus élevés que moi. Et puis, on vient me choisir. Ah, Seigneur, toi aussi. Quand même, tu peux commencer à prendre l'autre là, parce que quand toi-même, tu vois ses diplômes. Il allait à Harvard, c'est ça, non? Il allait ici, il allait là. Mais moi, là, Seigneur, c'est à Abidjan ce moment j'ai fait. Et puis ma formation, là, c'est à Pigé. Je ne suis même pas allé en Europe. Est-ce que je peux diriger une équipe? Ça, c'est ton regard humain, c'est le premier regard. C'est comme quelqu'un qui se retrouve devant une grande épreuve, mais qui regarde cette épreuve avec ses yeux. Et qui dit, mais ça là, mais moi, je ne pourrai pas. Oh. Comment on va faire? Mais moi, je ne pourrai pas. Oh. Tu appelles tout le monde. Les autres disent, ah, mon cher, ça là, il faut essayer de gérer. Parce que même nous-mêmes, on ne sait pas quelle solution on va te donner. Parce que tes yeux naturels sont en train de voir le problème tel qu'il est. Ça, c'est tout ce que nous voyons. Tu vois, tout ce que tu vois même avec tes yeux, tes frères. Moi, dans la maladie, quand je me mirais, je savais très bien que de 60 kilos, en ce moment je suis à 70. Ah, je vais dire peut-être à cause du confinement, je ne sais pas. Mais de 70, tu te retrouves à 40. Tu as perdu 30 kilos. Tu te regardes. Tu vois que tu n'es plus la belle jeune fille qui vient de se marier. Mais tu es paniqué. Parce que tu ne sais pas ce que tu as. De deux, tu perds du poids. Trois, tu perds par moments un peu la mémoire. Quatre, tu sens que la colère monte. Cinq, tu vois que tu ne te retrouves plus, les regards des autres sont sur toi. Et tu commences à paniquer. Tu es dans le premier regard, le regard naturel. On te dit, il y a un concours. Tu te dis, non, comme moi, je n'ai pas le niveau, je vais payer en même temps. C'est-à-dire que tu es dans le regard naturel. Tu te dis, non, comme on paye pour que les autres réussissent, moi là, je ne pourrai pas. Ça, c'est sûr qu'ils vont m'éliminer. Donc, je préfère payer pour ne pas qu'on m'élimine. Il y a des adorateurs qui ont suivi mes conseils, qui ont réussi à leur examen. D'autres sont devenus fonctionnaires sans avoir payé. Le regard humain nous fait voir des choses, même dans notre foyer, en tant qu'adoratrice. Je vois avec mes yeux humains que le monsieur là, il sort. Je vois avec mes yeux humains que ce monsieur là ne m'écoute pas. Je vois avec mes yeux humains que financièrement, on n'a rien. Alors je dis, voilà Seigneur, on est tout le temps connecté, maman Brou. Quand elle va faire adoration à Saint-François, nous sommes dans les mini-veillées parce que c'est ça, vous, votre problème. Pas tous. Mais c'est pourquoi hier, nous avons cherché. Nous nous sommes dit, il faut qu'on revienne d'abord à Dieu pour que Dieu nous parle. Parce que Dieu ne peut pas parler à quelqu'un qui ne l'écoute pas, mais qui n'aime pas sa présence. Votre problème, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous adorez Dieu, vous pensez que mon adoration doit automatiquement déboucher sur une bénédiction.
Moi, je n'adore pas pour une bénédiction, hein. Je suis dans une adoration libre. Parce qu'il y a des prières que j'adresse à Dieu, il n'exauce pas. Pas parce qu'il ne veut pas, peut-être parce que ça ne fait pas partie de son projet pour moi, ou bien peut-être parce qu'il estime que pour l'instant là, ce n'est pas nécessaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Et ce premier regard nous pousse souvent à récriminer contre Dieu. Lorsque nous sommes face à un problème, nous commençons à dire à Dieu, j'ai prié, Seigneur, j'ai prié. Quelle neuvaine je n'ai pas fait. Mais ceux qui ont fait leur neuvaine là, c'est leur propre expérience. Hein. À un moment donné dans leur vie spirituelle, ils ont rencontré une difficulté, ils se sont dit, bon, je fais une neuvaine. Et puis ils ont fait ça marcher. Ça ne veut pas dire que toi, la neuvaine de l'autre que tu vas copier, là va marcher. Toi-même, là, dans ton épreuve, là, vis quelque chose. Mais tu es dans le regard humain. Quand tu vois l'autre qui est enceinte, voilà Seigneur, nous t'adorons. Je me suis mariée, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait que Seigneur, on n'a même pas d'enfant. Un seul que je te demande là, Seigneur, tu ne peux pas me donner un seul. Pourtant dans l'adoration, tu es peut-être la première ou le premier à crier, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Seigneur, un seul, tu vois, tes récriminations te pousse à rester encore dans le désert. On va lire un passage. En Nombre chapitre 13, au verset 32 à 33. Pourquoi est-ce que Josué est qualifié pour conduire le peuple? Tu dois être qualifié pour gérer certaines situations. Tu dois être qualifié pour conduire, c'est-à-dire que tu dois être un meneur, mais de manière positive. Pas quelqu'un qui mène des groupes pour détruire, non. Mais c'est-à-dire quand on te voit, on doit savoir que, waouh, attends, je vais prendre un autre prénom. On doit savoir que Matt Do est là. On doit savoir que Dominique Kessé est là. Et tout le monde sent que quand Dominique Kessé est là, il y a quelque chose qui se passe. On ne voit rien, mais on sent qu'il y a une paix. Mon fils, commence à jouer que ta présence en moi se fasse réelle. On sent qu'il y a un changement. Parce que Dominique Kessé n'est plus dans le premier regard. Le regard naturel là, tu vas voir, pendant qu'il joue simplement, tout doucement, ma fille lit. Elle va lire Nombre 13, versets 32 à 33. Et puis écoute, si tu veux même poser une main sur ton cœur, si tu veux cliquer sur les cœurs pour dire Jésus, je t'aime, mais en tout cas, écoute la parole. Et ils commencèrent à dénigrer devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils disaient, le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir ceux qui viennent y habiter. Les gens que nous y avons vus sont tous de grande taille. Le regard humain. Ce dont on parle, je vais vous dire. Le Seigneur va dire à Moïse, dans les 12 tribus d'Israël, prends un représentant dans chaque tribu. Et tu les envoies en expédition à Cana, la terre que moi j'ai promis à votre père Abraham de vous donner en héritage. Les 12 s'en vont. Ils arrivent à Cana. Ils voient des géants. Ils voient des grands traits, des personnes très, très musclées, grandes, fortes. Ils voient qu'effectivement, Dieu a dit que le lait et le miel couleront. Ils ont vu lait, ils ont vu miel. Mais en plus du lait et le miel, ils ont vu la corpulence des champs de canards. Alors ils reviennent. Ils n'attendent même pas de se retrouver à 8 colonnes Moïse. Ils commencent à dire devant le peuple, là où tu nous emmenais, c'est pour nous tuer. C'est comme ça que les adorateurs, là, beaucoup se comportent. Il y a des gens qui donnent leur vie à Christ. Et ils pensent que parce qu'ils ont donné leur vie à Christ, ils ont tous les droits sur Dieu. Du genre,
Seigneur, j'ai donné ma vie à Jésus. Donc tu dois me donner le garçon que je veux là. Tu dois me donner le travail que je veux. Vous ne voyez pas qu'il y a certains qui demandent quand ils sont s'assoient là-bas, maintenant ils disent qu'ils sont persécutés. Il faut qu'on prie maintenant pour que Dieu les sorte de là. Ça, c'est le regard humain. Ils ont commencé à dire que Moïse les a emmenés là-bas pour les tuer. Ma fille continue. Nous avons même vu des géants. Nous avons même vu des géants. Les descendants d'Anak. Et puis décrivent de qui descendent. Par rapport à eux, nous sentions comme des fourmis. Et c'est bien l'impression qu'ils devaient avoir eux-mêmes de nous. Vous voyez, les adorateurs là, vous devez vous considérer maintenant. Les véritables. Ils disent à Moïse, nous avons vu des géants. Nous avons vu ceci. Nous avons vu cela. Mais nous-mêmes, nous sommes convaincus que eux-mêmes, quand ils nous voyaient en fourmis. C'est-à-dire que les gens ne l'ont même pas dit qu'ils les voyaient comme des fourmis. Hein, mais eux-mêmes, ils ont déjà déclaré qu'ils sont des fourmis aux yeux de ce peuple. Ce que tu sors de ta bouche à cause de ta vue naturelle, c'est ce qui t'arrive. C'est ce que tu sors de ta bouche à cause de ce que tes yeux voient. C'est ce qui fait que tu n'avances pas. Ce n'est pas quelqu'un. Hein. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on est connecté au Seigneur, quand on appartient au Seigneur, moi je dis, les sorciers n'ont même pas d'emprise sur nous. Souvent, on dit, on leur attribue même des situations, mais c'est nous. Dieu leur a dit, Canaan est pour vous, ils sont allés. C'est vrai, tu peux venir, ah Moïse, on est allé. Vraiment, il y a le lait, il y a le miel, on a vu des géants. Mais ils décrivent et puis ils disent, mais ces géants-là, nous sommes convaincus qu'ils nous ont vus comme des fourmis. Bon, si toi, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'adoratrice, en tant qu'adorateur, tu te vois comme une fourmi, tu te vois comme quelqu'un qui ne va pas réussir, mais qui va te faire réussir? Puisque toi-même qui es censé élever la louange vers Dieu, toi-même qui es censé encenser le trône de Dieu, parce que celui qu'on appelle adorateur, c'est quelqu'un qui a une expérience de Dieu, c'est quelqu'un au moins une fois dans sa vie qui a vu Dieu agir et qui a senti Dieu lui parler. Mais si un adorateur se lève et dit, ah, mon cher, de toute façon, nous, on est là, on ne peut pas réussir. Eux, là, ce sont des enfants des riches. Mais ton père que tu élèves, qui est dans les cieux, on dit toujours, toi-même, tu chantes, tu dis, à toi appartient l'or, la richesse et l'argent. Maintenant, pourquoi est-ce que tu es devant une situation, tes yeux, c'est-à-dire ton regard naturel prend le dessus? Pourquoi? Et quand ils vont dire cela, ma fille, lis au début du verset, du chapitre 12. Quand ils vont décrire ce qu'ils ont vu, en Nombre 14, chapitre 1er, le peuple va commencer à s'enflammer. Il y a des gens qui sont là dans notre vie, qui se comportent un peu comme ceux qui ont parlé à Moïse. Même quand on a un projet, ils sont toujours là pour nous décourager. Vous voyez, moi, quand j'ai un direct avec vous, je ne me dis pas parce que c'est un direct, donc je vais venir m'asseoir devant eux. Non! Je prends du temps, je prie, je dis, Seigneur, comment je dois décorer la salle? Parce que j'ai envie d'être dans un cadre agréable. J'ai envie que quand un adorateur me regarde, qu'il se dise, waouh, qu'il est bon d'être enfant de Dieu. Donc, c'est pour te dire que tout ce que je mets a une signification pour moi. C'est pour que tu te rendes compte qu'il est agréable d'être un enfant de Dieu. Tout ce que tu vois derrière moi comme fleur. Aujourd'hui, si tu regardes bien, j'ai changé le décor. Pourtant, nous sommes dans le même lieu. Aie une vision. Ne sois pas dans le regard naturel, le premier regard. On n'a même pas encore vu le deuxième regard. Regarde l'attitude du peuple. Il y a des gens qui nous poussent à quitter la présence de Dieu. Ces personnes-là, tu ne dois plus marcher avec elles. Il est bon, mais même si tu dois rester seul, dans tous les cas, nous sommes dans une situation où chacun est chez lui. Mais malgré cela, tu appelles et puis vous parlez. Même quand Dieu te dit, là où tu es seul, là, prie, lis la Bible, tu ne peux pas. Ma fille, l'attitude des... Toute la nuit,
toute la nuit. Les Israélites crièrent et pleurèrent. Les Israélites crièrent et pleuraient. Ils protestaient contre Moïse et Aaron, leur disant, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans un tel pays? Est-ce que tu entends? Eux, ils ne sont pas allés dans ce lieu. Il y a eu des gens qu'on a envoyés qui sont allés. Si tu es parmi ceux qui découragent les autres, fais attention. Quand Dieu a un projet sur son élu, si tu t'amuses à empêcher l'élu d'atteindre l'objectif de Dieu, tu vas rester dans le désert. Oui, tu vas rester dans le désert. Ils sont venus, ils ont faim. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Dès qu'il y a quelque chose, mais il faut un de ces tapages-là. Ils ont fait un tapage. La Bible dit toute la nuit, le peuple a pleuré. Ce peuple-là, peut-être qu'on va s'asseoir aujourd'hui, prendre nos portables pour dire, aïe, les Israélites aussi, ils exagèrent. Parce qu'on a dit, mais Dieu a ouvert la mer devant vous, Dieu a fait tomber la manne, Dieu a fait... Mais ce n'est pas ce qu'il fait pour nous tous les jours. C'est ce qu'il fait pour nous. Ils ont pleuré, Seigneur, tu vas nous tuer. C'est la même chose qu'on fait. On prie. On sent, on reçoit dans notre cœur, on témoigne que vraiment là où nous sommes, le travail où nous sommes, le foyer où nous sommes, l'entreprise que nous avons montée, c'est le Seigneur qui a mis dans notre cœur. Nous sommes convaincus, nous avons témoigné, tout le monde a clamé. Maintenant l'adversité se lève devant nous. On dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans ce travail? Seigneur, pourquoi tu m'as donné cette femme? Seigneur, pourquoi tu m'as donné ce mari? Seigneur, pourquoi... Moi je parle de quand le Seigneur te donne. Mais et quand il ne te donne pas là, c'est grave. Quand c'est lui-même qui te donne ton regard humain à cause des épreuves, à cause de la méchanceté de ceux qui sont en face, tu n'arrives pas à être fort. Dieu parle de notre mental, nous les adorateurs. Le peuple a crié. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi ce soir, que ta présence en moi devienne réelle, palpable. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je veux une autre dimension. Corremosa, que ta présence en nous devienne réelle. Que ta présence en moi touche les adorateurs où qu'ils soient. Que ta présence en moi devienne. Enlève le fond en nous, la peur en nous. Je veux une autre dimension. Une autre dimension de toi. Que ta présence. Que ta présence en moi devienne. Réelle. Que ta présence. Chante avec nous, chante avec nous avant qu'on ne parle du deuxième regard. Je veux une autre dimension de toi. Moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne réelle, qu'elle devienne palpable, que ta présence en moi devienne. Je veux une autre palpable. Dimension de toi, je veux une autre dimension de toi, Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne, comme elle a été réelle. Dans la vie de Caleb et de Josué. Ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension de toi. Je veux une autre dimension de toi. Oh, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh. Que ta présence en moi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne qu'elle devienne palpable, c'est-à-dire quand les gens me voient, je veux une autre dimension.
dimension. Ils doivent sentir qu'une autre dimension de toi se passe en moi. Et mon Père, je veux ta présence. Que ta présence en moi devienne. Qu'elle devienne réelle. Que ta présence en moi. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh Yahvé, 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 Yahvé. Que ta présence en moi devienne. Devienne réelle. Que ta présence en moi devienne. Qu'elle devienne palpable, mon Dieu. Dimension de toi, la dimension du toucher, la dimension du toucher, de gloire, la dimension de gloire, la dimension de puissance, dimension pour que je puisse voir comme tu vois, puissance. Que j'entende comme tu entends, oh, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire. Dimension. Oh, alléluia. Maintenant, nous passons au deuxième regard. Dans le premier regard, c'est un regard naturel. On voit les choses et nous sommes paniqués. C'est normal. Je vous ai dit hier, j'avais peur. Pourtant, c'est la première fois que la peur m'animait. Mais je bénis Dieu parce que je me suis rendu compte que j'étais fragile et j'avais besoin du Saint-Esprit pour vous parler. Je veux une autre dimension. Je veux passer à une autre étape. Je veux le deuxième regard. Ouais. Le deuxième regard. C'est le second regard. C'est le regard de Dieu. C'est celui qui va au-delà du premier regard. C'est le regard surnaturel. Oui. Le regard surnaturel. Je ne sais pas si je vais proposer un chant par rapport à ça tout à l'heure. Le regard surnaturel. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Le regard surnaturel. Et c'est ce regard que chaque adorateur doit désirer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux plus rester dans le premier regard. J'ai vu, c'est vrai. La situation est grave, c'est vrai. Le médecin a donné le diagnostic, c'est vrai. Peut-être qu'il a décidé de me divorcer, il a donné la lettre de divorce, c'est vrai. Mais moi, je veux le regard surnaturel. Je veux le regard surnaturel. Ma fille, lis 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 16. Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Même si autrefois nous avons considéré le Christ d'une manière humaine, maintenant nous ne le considérons plus ainsi. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que nous ne devons plus regarder de manière humaine. Quand les gens ont regardé notre merveilleux Sauveur, ils se sont dit, mais celui-là, ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas nouveau. Les magiciens même font miracle. Ils ne l'ont même pas considéré, ils l'ont banalisé. Mais ils ne savaient pas, même quand on le clouait, il y a des gens qui se moquaient de lui. Même quand il était éprouvé, il y a des gens qui se moquaient de lui. Ils lui ont dit, mais il en a sauvé d'autres, mais qui se sauve lui-même. Ah, mais quand il est mort, que le rideau du temple s'est déchiré. Le centurion romain, mais le soldat a dit, hein? Celui-là, c'était vraiment le Fils de Dieu. J'aimerais qu'on lise dans une autre version. Je vais demander qu'on lise 2 Corinthiens 5, verset 16, dans une autre version. Mais
je vais prendre la mienne, parce qu'il faut que je lise aussi. Hein. Amen. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Alors je vais reprendre. Ainsi donc, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Aujourd'hui, quand on parle du Seigneur de gloire, on parle de celui qui a bravé. On parle de celui qui a surmonté les épreuves. On parle de celui qui s'est mis au-dessus. On parle de celui qui est allé au-delà de ses capacités humaines. Quand on parle du Christ, on dit, ah, c'est mon merveilleux sauveur. Il est puissant. Mais toi-même, tu dis qu'il est puissant. Comment Jésus a fait pour surmonter? Parce que Jésus a vécu dans le deuxième regard. Il a vécu en ayant le deuxième regard, le regard surnaturel. Et Paul va dire dans sa lettre aux Corinthiens, on a lu le verset 16, mais le verset 7, il va dire, car nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. J'aimerais que tu lises dans ta version. C'est-à-dire que tu dois avoir un regard, le regard surnaturel, c'est le regard qui te permet de vivre les choses dans la foi. Parce que si je t'ai resté au stade du premier regard, je ne serai pas devant vous. Ce que je vous partage, c'est une situation de ma vie que j'ai traversée un an après mon mariage. C'est-à-dire en 2007. Mais nous sommes en 2020. J'étais dans le regard surnaturel. J'avais ma foi qui était boostée. Je croyais en la parole de Dieu parce qu'il avait dit qu'il allait m'utiliser. Alors que je n'avais rien commencé, j'étais en train de mourir. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Je suis allé dans le surnaturel. Ma fille, lis dans ta version. Nous marchons en effet par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi. Est-ce qu'un adorateur peut écrire je marche par la foi et non par la vue? Parce que quelqu'un qui marche par la foi, c'est quelqu'un qui, quand il y a une situation, pour moi, parce que je vous ai dit, je ne suis pas théologienne. Je vous parle en fonction de mon expérience. C'est quelqu'un qui a expérimenté Dieu au point où quand une situation advient, même s'il tremble, je vous ai dit, c'est normal qu'on ait peur. La première réaction, on a peur. Mais après cette réaction, quelle est mon attitude après? Comment je me comporte après? Comment je lis cette situation, cet événement qui se présente devant moi? Comment je lis cela? Est-ce que je le lis naturellement ou je le lis de manière surnaturelle? Quand je regarde l'événement, je dis oui, c'est vrai, mon corps est touché par la maladie, oui c'est vrai, mes cheveux tombent, ça c'est vrai, on ne peut pas mentir, parce que quand je me mets, que je me peigne, mes cheveux restent dans le peigne, oui c'est vrai, mes yeux sont sortis des orbites, oui c'est vrai, quand on me regarde, moi-même je me regarde, je n'ai plus de fossettes, c'est vrai,
Mais comment je me vois dans le surnaturel? Comment je me vois? Comment Dieu me voit? Comment toi, adorateur qui m'écoute, tu te vois? Est-ce que tu te vois comme les autres te voient? Tu es assise, tu ne te peignes pas. Tu es tellement déprimé que tu as mis tous les comprimés. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as mis les comprimés là devant toi. Qu'est-ce que je vais boire et puis ma vie finit? Non, il faut savoir qu'après la vie physique, il y a une vie avec Dieu. Donc si tu t'amuses à boire les comprimés là, ce que tu veux éviter ici là, ça sera grave là-bas. Est-ce que ma vie n'est pas finie? Non. J'ai eu quelqu'un, mon époux est un homme de Dieu. Parce que quand je l'ai rencontré, il servait déjà le Seigneur. Moi aussi, je servais le Seigneur. Mais ça n'a pas empêché à l'épreuve de se mettre devant moi. Quand l'épreuve s'est mise devant moi, écoute-moi bien, je te parle. Quand l'épreuve s'est mise devant moi, il était là pour me dire, tu dois tenir. Regarde bien dans ton entourage là. Qui t'aide à tenir? Qui t'aide à avancer? Comment tu vois les choses? Avec qui tu parles? Quels sont tes amis? Parce que ça suffit. C'est une année de profondeur pour nous. Je dis, si tu n'es pas adorateur, tu ne peux pas m'écouter parce que ça ne va pas t'arranger. Vois-toi de manière surnaturelle. Tu vois la vue, c'est-à-dire, cette vue surnaturelle défie la réalité. Parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre et c'est sa parole qui devient notre appui, notre boussole, notre repère. Dieu a l'œuvre dans notre vie. Donc du coup, on ne voit plus de manière naturelle, mais on voit les choses de manière surnaturelle. On a lu tout à l'heure nombre 13. On a vu l'attitude d'une partie du groupe qui allait en expédition. L'attitude de ce groupe-là a provoqué un remue-ménage au milieu du peuple de Dieu. Les gens ont pleuré toute la nuit jusqu'au matin, comme toi tu as pleuré avant de venir suivre ce direct. Parce que tu as dit, Seigneur, j'ai fait quoi? Seigneur, mais, et puis les autres aussi tapaient, c'est grave aussi, mais Dieu aussi, pourquoi il éprouve ses enfants comme ça? Et puis en même temps, tu commences à pleurer. Écoute ce que Caleb et Josué vont dire devant le peuple. Ils étaient dans le surnaturel. Nombre 14, verset 8. Le peuple, le pays que nous avons exploré est un excellent pays. Le pays que nous avons exploré est un excellent pays. Qui regorge de lait et de miel. Si le Seigneur nous est favorable, il nous conduira dans ce pays et nous le donnera. Seulement, ne vous révoltez pas contre le Seigneur et n'ayez pas peur des habitants de ce pays. Nous n'en ferons qu'une bouchée. En effet, les dieux protecteurs les ont abandonnés, tandis que le Seigneur est avec nous. Écoute l'attitude de Josué et de Caleb. Josué n'a pas été choisi en vain. Je vous ai dit, il a expérimenté Dieu. Josué faisait partie de cette expédition. Ils sont tous allés. Là où les autres ont dit, il y a des géants, ils ont aussi vu les géants. Là où les autres ont dit, nous sommes devant eux comme des fourmis. Josué et Caleb ne se sont pas vus comme des fourmis devant ce peuple à Canaan. Ils ne se sont pas vus comme des fourmis. Je ne sais pas comment tu te vois. Je ne sais pas comment tu te vois. Au point où tu te dis que je ne peux pas. S'il ne m'a pas, si c'est lui qui fait tout pour moi. Parce qu'il y a des... Enfin, je ne sais pas ceux-là, mais si on doit les appeler adorateurs ou adoratrices. Mais Dieu vous aime. Tu ne veux pas quitter. Pourquoi? Parce que tes yeux, ton premier regard naturel, te montre la maison qui paye. Te montre la nourriture qui paye, te montre la voiture, mais ton premier regard ne te montre pas ton état de péché. Ton premier regard ne te montre pas que tu es coupé de Dieu. Ton premier regard te montre tout le bien qu'il te donne. Donc du coup, quand toi-même tu regardes, tu préfères rester dans le regard naturel. Or le regard surnaturel va te pousser à te dire, mais non, j'ai un diplôme,
je peux faire quelque chose de mes mains. Si j'invoque le Seigneur, il peut agir. Alors ce regard-là, surnaturel, va te pousser à quitter en fait cette vie de péché. Parce que c'est le regard surnaturel. Quand quelqu'un dit, je ne peux pas tenir, on prie, mais il y a la volonté. Tu dois te voir toi-même en train de quitter le péché. Avant qu'on adore, qu'on ne célèbre. Parce que je te parle pour que, à partir de ce que je suis en train de te dire, qu'on prenne cela pour élever le nom de Dieu. Caleb, Josué ont dit, le pays que nous avons visité, là, c'est un pays qui est beau. C'est un pays qui est merveilleux. C'est un pays où coule le lait, le miel. C'est vrai qu'il y a des géants. Mais nous, en tout cas, nous savons que les dieux de ces géants les ont abandonnés. Si le Seigneur nous est favorable, nous prendrons Canaan. Mais quelqu'un comme Jésus, pourquoi Dieu ne va pas le prendre pour conduire son peuple? Il dit, c'est vrai ce qu'ils ont dit là. En tout cas, nos yeux ont vu. Mais ce que nos yeux ont vu, nous avons vu que c'est un très beau pays. Pourtant, ils ont expérimenté Dieu. Dieu leur a dit, je vais vous donner Canaan. Mais quand Dieu même parle, eux-mêmes qui étaient tout à Dieu n'ont pas pu croire en Dieu. Mais nous, la même, c'est que c'est gardé. Parce qu'ils n'ont pas eu le regard surnaturel. Mais toi, à cause de Jésus, qui est mort à la croix, ressuscité le troisième jour, qui a donné, c'est-à-dire donné sa vie pour toi, toi-même, le deuxième regard doit être ton regard. Parce qu'ils n'avaient pas Jésus, tout ça. Mais ils avaient la foi parce qu'ils ont vu Dieu agir. Nous allons lire Luc 5, versets 4 et 5. On nous dit que Pierre et les autres ont péché. Jésus est dans la barque avec eux. Et puis Jésus est en train d'enseigner, finit d'enseigner, il va parler à Pierre. Écoute bien, adorateur. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis, toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mm-hmm. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. Il dit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu le dis, nous allons jeter nos filets. C'est un regard, ils ont eu un regard surnaturel. Ils sont avec quelqu'un qui a fait des miracles, quelqu'un qui a multiplié le pain. Et il dit à Jésus, nous, en tout cas, nous avons peiné toute la nuit. Mais puisque toi, Jésus, tu le dis, alors nous jetons nos filets. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont ramassé. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Amen. Moi, j'aimerais qu'on bénisse. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous voulons quand même acclamer le Seigneur. L'attitude, écoute-moi, parce que quand on va louer, on va adorer là. Toi-même, je pense que la parole soutient. L'attitude que Pierre a adoptée, c'est l'attitude que Josué a eue. Josué a dit, c'est un pays qui regorge de lait et de miel. C'est vrai, il y a des géants, mais si Dieu nous est favorable, nous prendrons. Amen. Et Pierre va dire à Jésus en Luc 5, verset 4 à 5, dit, ah, nous avons peiné toute la nuit, mais puisque tu le dis, nous allons jeter nos filets. Mais si tu dis que tu es un adorateur, si en tout cas tu fais partie de mes enfants, ou bien tu es un de mes frères, ou bien une de mes sœurs, mais tu dois être fort.
Parce que Jésus a été fort. Jésus est resté fort. Même quand on le frappait, il était fort. Parce qu'il avait un objectif à atteindre. Et puis il avait un regard surnaturel. Il ne voyait plus les coups. Mais il voyait qu'il allait sauver le monde. Mais le diable, même, je suis sûr, quand il est ressuscité, il a dû se dire, mais pourquoi même on s'est fatigué pour ce gars-là, pour qu'on enchaîne? Si on savait qu'il allait sauver le monde, on allait le rester sur la terre là 2000 ans, il allait marcher ici, sa barbe blanche, tourner ici avec nous. Mais il ne savait pas que c'était le roi de gloire. J'aimerais qu'on te lise encore Ésaïe 30, verset 15. Quand le Seigneur te dit, sois fort, écoute-moi. Souvent, face aux situations, nous perdons notre calme. Voici ce que déclare le Seigneur Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisible. Votre seule force, c'est de garder votre calme. Votre seule force, le Seigneur te dit, ta seule force, adorateur, ta seule force, ma fille, ta seule force, mon fils, ta seule force, ma soeur, mon frère, il dit, c'est de garder ton calme. Il dit, c'est ta force. À Josué, il lui a dit, sois fort, parce qu'il voulait que Josué ait le deuxième regard, que Josué soit calme. Il a dit, je vais t'accompagner, mais à une seule condition, c'est que ma parole soit avec toi. Oh, pour que tu sois fort, pour que tu sois forte, tu dois être plongé dans la parole de Dieu. Parce que qu'est-ce qui va te permettre de tenir? C'est quand tu vas te dire, mais non, dans la parole de Dieu, Christ a dit, j'ai déjà vaincu le monde. Alors tu es calme. Tu te dis, non, mon sauveur, celui que j'adore, celui que je vais adorer tout à l'heure, a vaincu le monde. Ce n'est pas possible qu'il me laisse là. Il dit, votre seule force, c'est quoi? Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Voilà ton secret. Quand il a dit à Josué, sois fort. Parce qu'il y a des situations qui peuvent nous empêcher de garder notre calme. Le Seigneur te dit, ta seule force, c'est de garder ton calme. Parce que notre foi, elle ne peut pas se manifester quand nous sommes dans une atmosphère de d'inquiétude. Parce que tout à l'heure, nous allons adorer Dieu. Si tu es dans l'inquiétude, ta foi ne peut pas se manifester. Parce que la peur prend le dessus. C'est-à-dire, tu vois de tes yeux naturels, mais le regard spirituel s'enfuit en même temps. Et nous allons adorer le roi, celui qui est assis sur le trône. Moïse a dit en Exode 33, il dit, Seigneur, tu dis que j'ai ta faveur, moi-même je le reconnais, mais si ta présence ne nous accompagne pas, nous ne serons pas distingués. Alors qu'il a dit à Josué, il dit, sois fort, courageux. On dit, ta seule force à toi qui m'écoute, c'est de rester calme. N'as-tu pas un Dieu qui a créé le ciel et la terre? Si. Alors nous allons élever son nom. Nous rentrons maintenant dans la phase où tu dois, par ta louange et ton adoration, entrer dans le surnaturel. Pouvoir voir les choses de manière surnaturelle. Pas comme tu voyais avant. Mais demande à Dieu, demande la grâce. Parce que regarde, En Romains 12, verset 2, Romains 12, j'aimerais qu'on lise parce qu'on va invoquer le Saint-Esprit. Encore, il est là. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour entrer dans le surnaturel. Nous allons demander à Dieu d'ouvrir les écluses. Mais avant que Dieu l'ouvre les écluses, nous devons glorifier ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous devons reconnaître que c'est lui qui domine le monde visible et invisible. Et rien ne peut se cacher devant sa face. Est-ce que tu peux lire? Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Ne vous conforme pas aux habitudes de ce monde. Les situations de ce monde. Les habitudes de ce monde, c'est quoi? On te dit, tant que tu n'as pas payé, tu ne peux pas avoir un examen.
Tant que tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas être bien. Tant que tu n'as pas fait ceci, tu ne peux pas être bien. Or, nous allons dire à Dieu que c'est lui qui a fixé les étoiles dans le ciel. Il est l'alpha et l'oméga. Nous voulons prendre ce cantique du groupe Graël pour dire au Seigneur, il a placé les étoiles au commencement de l'univers. Alors prends la position qui te sied. Si tu veux te coucher, tu te couches. Si tu veux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Si tu dois te lever, tu te lèves. Même que tu sois dans ta chambre, que tu sois à l'hôpital couché, que tu ne puisses pas bouger, lève les mains ou bien tourne ton cœur vers lui si tes mains ne peuvent pas fonctionner. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, 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 Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Oméga, élève son nom. Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps. Le Dieu de tout temps. Qui conduit mes pas. Qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. On va monter un peu. Oh, Alpha, Alpha, Oméga. Commence à te disposer. On va reprendre Alpha, Oméga. Il monte la gamme. Monte, monte, parce que mon âme doit se lever. Kore Moshe Kiriaba Wusoto. Nous sommes là, nous avons entendu ta parole. Nous avons entendu ta parole. Ma fille reste en haut. Kore Mosaka Babababa. Oh, dis Alpha, je suis là, commencement et fin. Toi qui sais toutes choses, dis-lui Seigneur, je suis là. Toi qui m'as créé, je suis là. Seigneur, je veux voir comme Josué. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Oh. Au commencement de l'univers, Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. À faire naître en moi tes louanges. Hey. Alpha, Oméga. Lève les mains là où tu Alpha, es. Alpha, Oméga. Le Dieu de tout temps. Le Dieu de tout temps.
dis-le. Alpha, Omega. Tant qu'il n'a pas encore parlé.
parler. Moi, je me fous des mots des autres et j'attends Omega. Je te cherche ce soir, je te cherche. Souvent le voleur vient en premier, il s'agite, mais le sauveur en dernier, il s'appelle Omega. Oh, Reboche, que papa, papa, papa. Tant qu'il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur. Le Seigneur te dit reste fort. Tant que sa vie coule en toi et que Yahvé n'a pas encore décidé, n'aie pas peur. Car ta seule force ce soir, c'est de rester calme. Ta seule force ce soir, c'est d'être calme. Ta seule force ce soir, c'est de chercher Yahvé de tout ton cœur. Tant qu'il n'a pas encore parlé, moi je me fous des mots des autres et j'attends Omega. Souvent le voleur vient en premier pour me distraire et me faire m'arrêter sur mon premier regard. Mais le sauveur vient en dernier. Car je sais que ce qui est impossible aux hommes est possible à mon Dieu. C'est pourquoi je lève mes mains vers lui. Et il s'appelle Omega. Nous allons prendre ce cantique. Yahweh, Yahweh, tu es puissant, tu es merveilleux. Qui est comme notre Dieu? Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant toujours des prodiges. Commence à élever ton Dieu. Seigneur, c'est toi qui manifestes, qui fais. Commence à élever ton Dieu. La vie de ceux qui s'attachent à toi, Seigneur. Yahweh. 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 Oh, tu es puissant, tu es glorieux, Yahweh. S'ouvre à toi, Seigneur. Tu es puissant, tu es glorieux, Yahweh. 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 Glorieux Yahweh, que tu sois à la maison, élève la voix Yahweh, même mon Yahweh.
sais qu'il y a Oh Yahweh, commence à te lever, marche bien fort que ce nom. Yahweh, 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 oh Yahweh. Élève le nom de celui qui a créé le ciel et la terre. Yahweh, Yahweh, nous te levons, Yahweh, nous te levons, nous te levons. Nous célébrons ton nom, Dieu de gloire, de majesté, Dieu puissant, Dieu qui a créé le ciel et la terre, Dieu qui a fondu le peuple, la mer devant le peuple d'Israël. Commencement et fin, Alpha et Omega, celui qui marche au milieu des chandeliers, oh Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Élève le nom de celui qui t'a fait, Yahweh. À toi, rien n'est impossible à toi, Yahweh. Yahweh, nous levons nos mains, nous t'invoquons. Yahweh, les adorateurs t'invoquent où qu'ils soient, Yahweh. De tout ton cœur, de toutes tes forces, crie à lui. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, tu es puissant, tu es glorieux, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. S'égaler à toi, tu es glorieux, Yahweh. Hey, Yahweh, 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 toi qui es sur le trône, les adorateurs t'appellent. Toi qui es sur le trône, les adorateurs t'appellent. Yahweh, toi qui as ouvert la mer, les adorateurs t'appellent. Hey, tu es puissant, Yahweh, tu es glorieux, Yahweh. Koremo sakiria baba 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 ushetere bere bere. Corre baba baba o som ta kaba o som to kobo shita. Ken tere bo kai raba o senta baba baba. Si para la vaco.
Tu es Yahvé, tu es Alpha, tu es Oméga, tu es le commencement, tu es la fin de toutes choses. Tu dis sois fort. Seigneur, donne-nous de voir comme tu vois. Dans ton livre, tu as inscrit tout ce que nous devions vivre. Tu es Yahvé. Ouvre ton cœur, jette-toi dans sa présence. Donne-moi les yeux spirituels pour que je puisse voir comme tu vois. Oh Yahweh, j'ai tellement besoin de voir comme tu vois. Oh Yahweh, je veux entendre comme tu voudrais que j'entende. Hey Yahweh, je veux voir au-delà de la montagne qui se dresse devant moi. Je veux voir au-delà de cette maladie qui me perturbe. Je veux voir au-delà de ce que mes yeux de chair voient. Oh Yahweh. Adonai, 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 Adonai. Adonai, tu connais mes angoisses. Oh mon Père, tu connais mes peurs et mes inquiétudes. Je veux voir comme tu veux que je voie. Donne-moi ta force, donne-moi cette force surnaturelle pour que je puisse voir comme tu vois, me lever et avancer. Car je n'arrive plus à avancer, je suis statique, je n'arrive plus à avancer. J'ai besoin de toi, Yahweh. La fin avant toute chose, avant le commencement, tu connais la fin. Tu as ma vie sous contrôle, je t'en supplie, fortifie mon cœur, fortifie-moi pour que je tienne. Oh Adonai, je n'en peux plus, tu le sais, je suis fragile. Oh mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Tu sais que Muriel est fragile. Oh mon Père, tu sais que je n'en peux plus, je suis fragile. Tu voudrais que je sois forte, mais je n'arrive pas. J'ai besoin de ton esprit pour faire un pas de plus. Demande-le au Seigneur. Yahweh, j'ai besoin de toi. Dis-lui pendant que nous chantons en langue. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ta force pour avancer. Je suis fragile, tu me demandes d'être fort. Mais les eaux me submergent. Je n'arrive plus à tenir. Parce que ce que mes yeux voient m'affaiblissent. Mais je sais qu'avec toi je serai fort. Si tu me donnes ta force, je t'en supplie. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. J'ai besoin de toi. Hey, je veux t'adorer.
Je veux t'adorer, je veux t'adorer de moi. T'adorer en esprit, en vérité de moi. Me lever au-dessus des situations, ouais, de moi. Seigneur, je n'en peux plus. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Aide-moi, aide-moi, Adonai, aide-moi. Nous allons, dans cette atmosphère chargée de la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur nous a dit, sois fort. Et chacun, même là où il est, même si le direct finit, peut reprendre, entrer dans la présence. Je veux être fort. Je ne veux plus rester à cette première étape du regard surnaturel, du regard naturel. Mais je voudrais ce regard surnaturel que Josué a eu. En disant, c'est vrai qu'il y a des géants. C'est vrai que la situation me pèse. C'est vrai que mes finances s'épuisent. C'est vrai que je n'ai plus rien. C'est vrai que la maladie est là. Mais moi, je veux voir au-delà de la maladie. Je veux voir la guérison. Je vois déjà la guérison. C'est vrai que le célibat a duré. C'est vrai que je suis passé dans mon homme. Mais maintenant, couché devant ta présence, je me vois au-delà de ce que je suis. Cette femme seule, isolée, celle dont tout le monde se moque, je veux les yeux surnaturels. Shema Israël, Adonai Elekenu, Adonai Ea. C'est ce cantique qui résonne dans mon cœur pour toi. Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y en a pas trois. Il est le seul, unique, le véritable. Celui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Celui qui a écrit les projets dans son livre de vie pour toi. Celui qui t'a emmené à la vie. Il dit, écoute Israël, il y a un seul Dieu. Le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Sois fort. Écoute Adorateur, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Voilà ce qui me vient, tu vas reprendre, tu vas dire, écoute, ô mon âme, le Seigneur est ton Dieu, le Seigneur est un. Écoute mon âme, écoute mon âme, le Seigneur est ton Dieu, le Seigneur est un. Parle à ton âme, parle à ton âme. Écoute mon âme, écoute le Seigneur. Mon âme, dis à ton âme, écoute mon âme, écoute, mon âme, écoute, 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 le écoute le Seigneur ton Dieu. Dieu, il est un ton Dieu. Seigneur est un. Et le Seigneur te dit, si tu gardes mes paroles, qu'elle reste gravée dans ton cœur, tu verras ma gloire dans ta vie. Si tu gardes mes paroles, il parle à quelqu'un,
car est-ce gravé dans ton cœur, tu verras ma gloire dans ta vie. Si tu gardes mes paroles qui restent gravées sur ton cœur, tu verras ma gloire dans ta vie. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir. L'atmosphère est chargée de ta gloire, mais nous voulons bénir ton nom. Nous voulons rendre gloire au Seigneur. Il est tellement bon. Commencez à bénir le Seigneur. Ceux qui veulent envoyer des cœurs au Seigneur, cliquez. Cliquez, dites au Seigneur, merci, parce que je sais que ce soir, pendant que tu seras dans la présence de Dieu, tu seras surpris, parce que demain, tu m'enverras ton témoignage, même le matin, parce que Dieu va te parler. Il va te parler. Le Seigneur va te parler. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Merci, Seigneur, pour ces lettres d'or que tu écris sur nos cœurs. Le Seigneur est en train de crier quelque chose sur ton cœur. Merci, Seigneur. Et ce soir, tu vas l'entendre te parler. Il te dit, sois fort. Sois fort. Demain, nous allons nous retrouver à 16h30. Parce que Dieu est en train de nous parler. Amen. Tant qu'il n'a pas encore parlé, tout ce que les gens peuvent dire n'a plus d'importance pour moi. Le voleur vient en premier, c'est vrai. Il vient détruire. Et c'est ce que mes yeux naturels ont vu. Mais le sauveur, lui, il vient en dernier. C'est ce que mes yeux spirituels vont voir à partir de maintenant. Alors vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et je sais que beaucoup vont vivre quelque chose d'extraordinaire. N'hésitez pas à envoyer vos témoignages. Envoyez-les sur le 0101 55 56. On pourra même les lire en début. Mais sachez que il y aura un résumé. Le résumé va se faire comme on l'a fait aujourd'hui, parce que je vais envoyer un message et vous allez me dire comment vous avez vécu le temps. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce temps? Que le Seigneur vous bénisse. Lui qui a inscrit sa loi sur dans vos cœurs, que le Seigneur vous comble. Nous te bénissons, Seigneur.